Salut tout le monde, bienvenue à Chambre, on est en Del Martinez et on se prépare pour la montée de marche. J'espère que ce festival il va être incroyable. On fait l'ouverture, l'opening, c'est le plus exciting de tout le festival. Je suis avec Trin Provo, on va se préparer, on a un sport hyper simple. J'ai trop hâte de vous montrer ma robe. Je vous montre, ils sont fait la piscine. On a eu des rêves et je vous dis pas plus, à plus tard. Et voilà, une heure de préparation pour les cheveux, ils sont magnifiques, magnifiques comme Christina Cordula elle dit. Et voilà ma chérie qu'elle est en train de me faire super bien et je vous montre la robe aussi, elle est vraiment le rêve de rêve, ça fait un moment que je rêvais vraiment de mettre une robe comme ça, je vous montre. Alors les filles, on vous explique l'inspiration pour cet habit rouge. On a décidé de faire une côte cheval. Voilà. Que Miss elle a créé. C'était un peu difficile parce qu'on voulait créer un style que ça fasse pas trop sophistiqué, mais pas trop simple, mais en même temps ça fasse fashion. Et elle a fait tourner ici et ça donne les final touch modernes, voilà. Et tout ça par Trin Provo qui est avec qui je vais faire l'opening. Donc la mise en beauté pour les cheveux c'est par Trin Provo, c'est mademoiselle qui a créé ça et c'est trop stylé pour les tapis rouges. Merci. Gira che penso che sia pianissimo, molto più piano. Deuxième jour, tapis rouge, on se prépare et aujourd'hui la robe elle est sublissime, c'est dans un autre style, elle est romantique. Je vous montre la couleur juste là. Coucou tout le monde, on commence une autre journée et aujourd'hui je vais avoir la chance de shooter pour clinique. On est dans leur chambre où on se prépare. On est avec mon super team Massimo Scherini et toute son équipe. Je vous montre la vue des rêves.
Donc, c'est pourvu de rêves. On a un temps incroyable. Et ça va être la première fois que je vais travailler avec Lily. Je vous cache pas, je suis vraiment trop contente. Ça fait trop longtemps que je voulais travailler avec cette marque. Parce que j'ai travaillé dans le passé avec plein de marques. Mais Lily, ça reste quand même un culte de la beauté. Puisque c'est un des premières marques qui ont lancé un peu le smart beauty. Et un des premières marques qui ont été un peu plus innovantes au niveau de sa, de marketing et de la technologie qu'il propose aux femmes et aux filles. Donc on se voit bientôt directement au shooting. Coucou les filles, on est chez Greg à Mephistopheles et on fait un petit fitting. Je vous raconte, il y a un an on a préparé le montée de marche et je ne l'ai pas fait, je l'ai raté, donc on était hyper triste. Et là, on se prépare pour la montée de marche le dimanche. Et on attend que ça va être trop belle. Je vous montre les showrooms. Salut Greg! Hi! Toutes les marques avec qui il travaille, le parfum, les bijoux, les sacs et la cabine d'Alibaba. Toutes les robes. Ouh! Et Isabelle, hairdresser pour les mains. Et voilà les looks faits par Greg des chez Mephistopheles. Et la robe que Greg il a créée ou imaginée pour moi. Il est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est vraiment ma couleur préférée depuis toujours. Un de mes couleurs préférées. Elle fait vraiment trop élégant et trop classe. Bonjour Ken, je suis hyper contente de partager avec vous ma journée. Le bateau où je suis il est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui on a deux rendez-vous. On va se préparer ici d'abord. Ensuite on a un rendez-vous avec Biologic Recherche puisqu'on a un petit collage pour faire un massage. Et ensuite c'est la préparation pour la grosse montée de marche. Et je suis trop contente de partager ça avec vous. Donc c'est parti, suivez moi, je vais vous montrer les bateaux des rêves. Il a été créé en Italie et il est vraiment exceptionnel. Il est trop beau. On est au Bioport de Cannes. Je vous montre ici la partie pour ces deux gens. On a un petit jacuzzi, bon, un grand jacuzzi en fait. Non mais si vous pouvez aussi nous expliquer, oui. Parce que c'est très compliqué à comprendre. Bon, c'est pas aussi compliqué que ça à la fin, voilà. Ça c'est la passerelle, c'est par ici qu'on conduit les bateaux. Hein. Ok. Donc voilà, là on a les moteurs, là on a les propulseurs d'épave, et puis voilà, tout ce qui est nécessaire pour la navigation, les cartes électroniques, les caméras, radars, tout. Voilà. Super. Un petit coucou pour coucou. Les gens. Coucou. Ok, merci. Parfait. Au revoir. Au revoir. Enfin, bienvenue à ma chambre. Je vais vous montrer les marques avec qui je travaille, que je collabore cette édition 2022.
on a beaucoup de belles robes et aussi cette année, toute la montée de marche, elle est plutôt vers le Met Gala qui est à mon avis sur le red carpet. Toutes les filles, elles font vraiment des looks incroyables. Je vous montre, alors cette année, avec Jonathan, mon copain, il y a une maison fleuriste, il fait des fleurs de haute gamme et qualité, voilà, c'est hyper mignon. Donc j'ai reçu un petit bouquet de fleurs. On a aussi tous les lunettes du groupe Safilo, Marc Jacob, Caroline Herrera, Isabelle Marron, Hugo Boss, et plus on a aussi les sacs Kilian qui sont juste sublimes pour la montée des marches. Et pas que ça, on a ici avec les lip gloss. Après on a mes indispensables depuis toujours, mes masques que je connais vraiment plein de marques au monde, et voilà, ça me fait plaisir toujours découvrir des nouvelles marques. Mes capsules, que je vous l'ai dit, elles sont vraiment indispensables pour moi, ça change tout, plein d'énergie, contrôle du poids et une peau sublime. Aussi dans l'humour, ça joue beaucoup, mes sacs. Et la partie la plus importante, les robes, messieurs et mesdames, les bébés du festival sont ici. Alors ces trois robes sont Janina Couture. Elles sont spécialisées vraiment sur les détails et les looks de luxe. Et je travaille depuis toujours avec Givenchy, donc j'ai reçu la petite ligne Skin Perfecto. On a les toners, on a aussi les sérums éclats. Et vous le savez, pour les tapis rouges, il faut être toujours belle. Et Givenchy, il me tient toujours frais et belle. Aussi, demain, on aura aussi en fait avec Rose Bay, marque française pour les cheveux. Ils sont vraiment en train de cartonner depuis un moment. Ils font tous les célébrités. Moi-même, j'ai testé le produit. Ils sont incroyables. Disons que ce sont les produits qui vraiment vont teindre et hydrater les cheveux en 2 minutes. Et pour finir, on a les coffres Charlotte Tilbury. Ouh, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour une nuit plein de glamour, paillettes et red carpet. Et voilà, on vient d'arriver à l'aéroport de Nice. Je vous montre. En fait, je pense que tous ces gens-là, ils vont partir à Cannes. Mon look, j'essaie de simplifier puisque toujours, enfin, je pense que je suis vraiment trop chargée. Donc là, je me suis mis un noir et jean avec ma croix. Ça, c'est un cadeau d'Edouard Naon. Et je la garde toujours avec moi puisqu'elle me porte de bonheur. Et aussi, c'est un cadeau de Luxanti, c'est une marque italienne. Elle fait des imitations de diamants et c'est vraiment incroyable. J'attends mes petites valises. J'ai pris 2 valises pour les robes et aussi pour les chaussures et ma maladie qui sont les crèmes et les produits beauté. Donc on attend les valises et après on se voit au Martinez. Hi guys, I just arrived in Cannes. Les gars, je suis dans la voiture et je vous raconte, les stress ils montent énormément. En fait, la robe que je devais mettre, la fille de showroom, elle ne me répond plus. Ça fait un mois qu'on a parlé de ça. Et là, le jour que j'arrive, elle ne me répond pas. Donc, je me retrouve sans robe le jour où je dois faire ma montée de marche. Je ne vous dis pas, j'essaie de rester calme. Mais on a tout planifié autour de sa robe-là. Et là, un stress total, il faut que je trouve une nouvelle robe. Alors je vous dis la vérité, j'ai un moment de panique parce qu'il n'y avait pas de robe, il n'y avait pas de bijoux, la voiture, on ne savait pas ce qu'il était. Alors les gars, je suis sans maquillage, vous me voyez telle que je suis. Hier je ne pouvais pas dormir parce qu'il y avait la pleine lune. Et je suis avec Jean. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Tu fais pas la bise hein? Bienvenue au Martinez. Hey guys, so we are arrived in Paradise and we have Sophie Couture, a brand that I will be wearing
Let me just show you all these beauties. Personally, I think I'm in heaven, and my initial choice was another one, but I'm seeing a lot of amazing pieces, so who knows, maybe let's change for another one.